mpo makambo namoni kuna bato oyo bayotravalle na nzambe antouka base bake mosika donc lava yo bamisio natopesay ozosan ocombelefoke pasko awo eza lisusu te oyoki ayakite pooa onnabaa banianalone nake lava

et partout vous nous regardez mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubeuse cette émission qui vous permet de comprendre l'actualité, cette émission qui vous permet donc de savoir euh, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne les nouveaux numéros de votre magazine Actubase, nous allons euh, faire les points sur l'audition du, du ministre honoraire de la Santé, le docteur Oli Ilunga. Il a été entendu euh, par la justice, plutôt par la police judiciaire, au sujet euh, des fonds alloués à la riposte contre euh, Ebola. On va aussi faire les points sur euh, cette affaire du vice-gouverneur de la province du Congo central. Cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Cette affaire qui fait le buzz sur la toile. On va essayer d'en parler une fois de plus au cours de cette émission. Mais aussi de la sortie du gouvernement. Il y a d'un côté les frustrés et de l'autre euh, ceux, ceux qui ont été satisfaits par la sortie du gouvernement. On va tenter d'en parler encore au cours de cette émission. Enfin, nous allons chuter avec Martin Fayoulou. Qui poursuit toujours sa lutte pour la vérité des urnes. Il s'est associé cette fois à Valentin Moubake et à Adolphe Mouzito. Ensemble, ils ont monté une structure dénommée la Dynamique pour la Vérité des Urnes. Et pour faire les points avec tous ces sujets, nous avons invité pour vous Maître Bazin Pembe. Il est coordonnateur de la Dynamique Le Changement, c'est maintenant une structure proche du CASH, CASH qui est chapeauté, bien entendu, par le président de la République, Félix Tshisekedi. Maître Bazin, bonjour. Bonjour monsieur, merci pour l'invitation. Voilà, on va commencer par les, ces premiers points qui concernent l'audition euh, du ministre honoraire de la Santé, le docteur Oli Ilunga. Il a été entendu par la police judiciaire et, concernant la gestion des fonds alloués à la riposte contre Ebola. Comment, euh, quelle, quelle lecture faites-vous de, de cette interpellation, je dirais, du ministre honoraire Oli Ilunga Oui, euh, d'abord... Dans un état de droit, la démocratie doit régner et le respect aussi de certaines institutions doit être un acquis, si nous pouvons le dire ainsi. Les messieurs euh, Oli Ilunga a été ministre de la Santé depuis 2016. Le 22 juillet, euh, il a déposé sa démission avec ses raisons, mais le président de la République, lorsqu'il a compris que la vie des Congolais était en jeu, la vie d'une seule personne coûtait beaucoup, il a trouvé l'opportunité avec son cabinet d'échanger la tête euh, des ripostes contre la maladie à virus Ebola. Il est allé tomber euh, sur un expert, un Congolais euh, bien averti. Monsieur euh, le docteur euh, Mouyembe, c'est lui qui patronne maintenant euh, les ripostes de la maladie à virus Ebola à l'est du pays. Mais nous avons aussi suivi, et il y a de cela 48 heures, Monsieur Oli Lunga était devant euh, les autorités judiciaires pour euh, connaître comment il a décaissé, il a dépensé les fonds loués à cette maladie. Nous pouvons apprécier cela parce que ce n'est plus encore l'époque de l'impunité. Maintenant, là, c'est la justice qui fait le travail. Il faut laisser le temps à cet inspecteur près de la Cour de cassation qui est en train d'instruire les dossiers pour que s'il y a des indices sérieux de culpabilité en charge du monsieur Oli Lunga, qu'il puisse répondre de ces faits. Et s'il y a besoin, il y a flagrance, qu'il puisse aussi passer à la flagrance pour montrer à ceux qui sont en train de venir à ce gouvernement. Que c'est fini l'impunité, maintenant là c'est l'état des droits qui est en train de régner. Il y a des langues qui pensent que le président de la République veut régler des comptes au ministre honoraire de la Santé, Oli Ilunga, pour avoir traversé de l'autre côté, alors qu'il était à l'époque, je crois, médecin privé du feu Étienne Tshiseke Partagez-vous cet avis Oui, moi je, je connais personnellement le, le président de la République, ce pas un monsieur conflictuel. Mais c'est un monsieur qui veut toujours que la justice puisse s'appliquer là où il y a l'injustice. Le monsieur, le docteur Oli Lunga, il a dirigé un, il, 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 un ministère. Il a dirigé cette structure de réponse contre la maladie à virus Ebola. Et il a reçu le fonds de la République. Il a reçu aussi le fonds de, de, de nos partenaires. Mais lorsqu'on a compris que nous, il avait une gestion très opaque, c'est tout à fait normal. Qu'on puisse l'auditionner, comprendre comment il a dépensé tous ces, mo ces moyens, parce que nous n'avons pas compris comment les messieurs qui étaient à la tête de, de ces grands ministères, euh, mais qui n'a pas pu euh, finir avec cette histoire de la maladie avérée Ebola, alors que la situation s'aggravait euh, du jour au jour, alors qu'il avait avec lui les moyens, dure que le président avait. Euh, Rendre les comptes, non, je ne je, je, je partage pas cette opiniâtreté, mais je peux vous dire que c'est un problème d'enquête. Laissons la justice investiguer là-dessus. S'il est coupable, il sera puni conformément à la loi. Et comment vous voyez la suite ou l'issue de cette affaire concernant les docteurs Oli Ilouma Vous savez, lorsque lorsqu'on euh, instruit un dossier judiciaire, l'instruction d'abord, elle est secrète. L'instruction est secrète. Les vérités. Mais les contre-vérités, c'est Oli Lunga et euh, l'OPJ à compétence générale qui est en train d'instruire l'affaire. Donc, euh, nous avons intérêt à garder encore normal en patience, attendre l'aboutissement euh, de cette instruction. Et puis, la suite, je pense que l'OPJ communiquera parce que c'est une affaire qui concerne la République. Le médecin a reçu des millions et des millions d'argent. Et je peux vous rappeler que ces médecins, Oli Lunga, au lieu de s'occuper de la santé des Congolais, il avait ses partenaires à lui. C'est un actionnaire, un actionnaire important au sein de la Sanru. Donc, vous voyez, il y, a, il y a les enjeux là à l'intérieur. Euh, laissons le temps à la justice d'enquêter et la justice va révéler au peuple congolais l'issue des enquêtes. Voilà, on va prendre le deuxième point de cette émission. On va parler de cette affaire du vice-gouverneur de la province du Congo central. Maître Bazin-Pembe, vous avez vu les images du vice-gouverneur circuler sur les réseaux sociaux. Il n'est pas le premier acteur politique à être trouvé dans ces salles Avant lui, on a connu plusieurs ministres plusieurs députés qui ont commis ces tactes un peu immorales. Maître Bazin-Pembe, d'abord, comment vous avez reçu cette nouvelle un peu triste du vice-gouverneur de la province du Congo central oui, euh, je, je dois rappeler euh, aux Congolais, même à ceux qui nous suivent, que notre loi, euh, la loi pénale euh, congolaise, protège les droits à l'image. Donc, comme nous sommes en train de passer cette émission avec vous, je n'ai pas droit de vous filmer si je n'ai pas eu votre autorisation. Mais moi, je n'ai pas compris comment cette dame ici s'est livrée à filmer un acte euh, immoral et jusqu'à à faire voir aux gens les parties intimes et, du gouverneur. C'est un acte condamnable, mais c'est une affaire aussi qu'il faut euh, suivre vraiment de près, parce qu'avoir les dossiers comme s'il y avait un complot, un truc bien organisé contre les gouverneurs, on n'a pas compris comment d'un coup, il y a eu les services de l'année qui sont entrés à la minute, et donc tout était planifié. Mais ce qui est vrai, il faut condamner l'acte. Parce que nous sommes parents, il y a certains partis qui sont réservés uniquement à votre femme, mais l'exposer aux vies de tous, ce n'est pas bien. Nous condamnons l'acte et nous demandons aussi euh, aux autorités judiciaires d'enquêter là-dessus, de faire appel à la dame, de faire aussi appel même aux autorités, euh, à l'autorité de, de l'ANER, euh, Redoc et la province du Congo central. Et pourquoi pas aussi, ne pas aussi auditionner les gouverneurs. À Thomas Toubouana, parce qu'il est cité aussi dans les dossiers. Vous, vous voyez aussi la complicité du gouverneur dans cette affaire Oui, voir la complicité, c'est un peu grave, parce que j'ai senti les, les vice-gouverneurs les citer nommément là-dessus. Donc il faut aussi l'appeler, avoir sur sa version des faits, pour relier, peut-être dans la confrontation, et il, y aura, il y aura certains éléments qui vont servir euh, à la police ou bien aux autorités judiciaires. Qui, vont, euh, qui sont en train les dossiers, je, 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 je pense. Et il faudra aussi faire souligner aussi une seule chose, et que euh, souvent j'ai entendu les gens parler qu'il y a eu violence, il y a eu viol. On a, on a assemblé violer cette dame-là appelée Mimi, que nous sommes en train de voir. Euh, on ne peut pas parler de viol lorsque la personne a consenti. Le gouverneur, le vice-gouverneur, de sur son argumentaire, dit. Ils sont souvent en relation avec la dame et c'est lui qui a fait appel à la dame. Donc la dame avait consenti de venir répondre à l'invitation du gouverneur. Mais comment, -gouverneur. Attends, comment la, 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 la dame qui a consenti et puis par après c'est elle-même qui euh, fait circuler, qui publie ces images euh, insolentes sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est n'est-ce pas un coup politique pour peut-être faire descendre euh, les vice gouverneurs? Oh oui, c'est cela où ils sont devenus pour vous dire, donc moi je, je comprends que tout a été boutiqué pour saluer le, le, le vice-gouverneur et selon certaines informations à ma possession, eh, il, faut, il faut encore des réserves parce qu'il eh, y a les enquêtes qui sont en cours. Il semblerait qu'il y avait un problème d'une somme importante. Que les gouverneurs, les vice-gouverneurs tentent de se de, de tirer là-dessus, ils ne se convenaient pas sur certains points de vue. Bon, laissons à, à la justice d'enquêter et la justice va révéler euh, au peuple congolais l'issue de, de, de ces enquêtes. Mais euh, pour chuter, moi, je condamne fermement cet acte-ci et la dame en question doit être aux arrêts. Même la policière, la dame policière que nous avons vu dans les images, elle doit aussi répondre. Nous n'avons pas compris comment elle a joué un rôle si euh, important en bloquant le vice-gouverneur dans la chaise. Donc c'est-à-dire c'était un truc bien euh, boutiqué pour salir l'image du vice-gouverneur. Vice, vice, vice Maître Bazin, vous êtes juriste. Que dit la loi congolaise dans une situation comme celle-ci où les images d'une personne, des images intimes, sont publiées sur la place publique Que dit la loi congolaise oui, mais si le vice-gouverneur vice est lésé de son droit, c'est son droit de saisir les instances judiciaires pour qu'ils soit réhabilité dans, dans, dans ses droits les plus légitimes. Aujourd'hui, c'est son honneur qui est sapé. Donc, moi, je, je le laisse euh, à lui d'apprécier, si on peut le dire ainsi, à lui d'apprécier l'opportunité euh, de saisir les instances judiciaires parce qu'il a été lésé par cet acte-ci et que la justice fasse euh, son travail. Est-ce que. La justice congolaise ou le parlement congolais ne peut pas imaginer une loi euh, visant à combattre la cybercriminalité. Oui, je, je vous ai dit tout à l'heure là que une autre loi euh, punit les droits à l'image, mais cette histoire de cybercriminalité, c'est une histoire aujourd'hui qui, qui prend de, de l'ampleur sur le international. Aujourd'hui, il y a certains individus qui se livrent à escroquer euh, les gens à partir des nets. Donc, dans les jours à venir, c'est une bonne suggestion. Euh, euh, il, faut, il faudra que l'ensemble aussi puisse aussi s'atteler là-dessus pour sécuriser certains compatriotes, pour qu'ils ne soient pas aussi victimes dans, dans certaines choses. Maître Bazimpé, on va prendre la sortie du gouvernement. Euh, sept mois d'attente, euh, plusieurs mois de discussions et négociations. Enfin, le premier gouvernement de l'ère Fachi a vu le jour. Je vais d'abord parler de l'UDPS parce que votre structure soutient la vision politique du président de la République. Au sein de l'UDPS, après la sortie du gouvernement, nous avons remarqué que certaines figures dites emblématiques, c'est là qui ont été vraiment au front pour défendre l'UDPS, parmi eux, je peux citer... Euh, les Jacques Chabani, les Paul et Peter Kazadi, ils sont nombreux. Tous ces gens pas, ne figurent pas dans les gouvernements Ilunkamba. Est-ce que un règlement des comptes au sein du parti ou euh, une innovation de la part de des, des l'UDPS Oui, dire que c'est un règlement des comptes, oui, je ne partage pas cet avis-là, mais il faudra aussi euh, souligner une seule chose. Nous pouvons servir la République. Même si on n'est pas embauché quelque part, même si on ne vous a pas choisi comme ministre, vous n'êtes pas dans l'ordonnance. Là où vous êtes, si vous avez les soucis que le Congo change, vous pouvez servir la République. Moi, je ne vais pas aujourd'hui réduire les ministres à des partis politiques, parce que vous ne verrez personne dans l'ordonnance lorsqu'on l'a cité son nom, on dit il est de tel parti politique ou tels et de tels partis politiques, ce sont les ministres de la République démocratique du Congo et ils seront là pour servir uniquement que les Congolais. Hein, il faut demander une seule chose à ces ministres d'être là au service de la nation, d'être là au service du peuple congolais, d'être là les acteurs d'élite contre la corruption, les acteurs d'élite contre l'enrichissement hein, sans cause d'être là les acteurs d'élite contre les détournement des derniers publics, d'être là les acteurs pour le changement. Parce que comme nous le disons au sein des dynamiques, le changement, c'est maintenant. Nous voulons voir ces changements-là avec l'air Fachi. Comme Fachi est hanté de faire la politique avec conviction pour le changement de ces Congolais, de nos Congolais, nous devions aussi l'accompagner pour que ces changements soient réellement changements dans l'assiette des Congolais que nous sommes. Donc, nous avons à interpeller à ces ministres-là, euh, si les uns parmi eux se détournent de la vision du chef de l'État, et ils auront le peuple sur leur chemin, et ils verront que ce n'est plus l'ère de Kabila de l'impunité, maintenant c'est l'ère Fatu où la démocratie, l'état des droits et la justice est en train de prendre la place. Au casique de Kabila, oui, vous ne verrez pas Kabila. Vous verrez le peuple congolais dans vos chemins si vous vous comportez mal. Si vous dérapez, vous détournez, vous ne verrez pas Kabila, vous verrez le peuple congolais et vous verrez les lois de la République s'appliquer sur vous. Donc, ils ont intérêt à changer, ils ont intérêt à revenir dans le bon sens, sinon ils en paieront cher. Vous avez entendu Moulou Malin, des pionniers de l'UDPS a déclaré que ceux qui ont été choisis ou nommés euh, dans les quotas UDPS sont des gens qui n'ont jamais milité dans les partis. Est-ce que euh, il ne faut pas craindre dans les jours qui viennent l'éclatement des, des de l'UDPS Oui, je, je vous ai dit, et je reviens encore là-dessus, le président Félix a un esprit d'ouverture. Si vous le voyez, il ne veut pas trop, bien sûr, que qu'il vient de l'UDPS, c'est un fils maison, mais lorsqu'il a pris ses fonctions euh, du président de la République, il ne veut pas tout rester dans la casquette de, de l'IDPS. Il veut appeler tout le monde à travailler pour l'intérêt du peuple. Euh, si certains, aujourd'hui, sont lésés et ils veulent le vilipender l'IDPS, ah, c'est de leur choix. C'est de leur choix, mais moi, je suis en train de voir euh, l'IDPS exceller, aller de l'avant, parce que l'IDPS a une vision. Il avait la vision de conquérir les pouvoirs. Aujourd'hui, ils sont en pouvoir. Et l'IDPS a la vision de concrétiser ce qui est euh, la vision de l'IDPS et les sociales des Congolais. Eh, vous serez de mon avis que l'IDPS, c'est l'union euh, euh, démocratique euh, pour le, les progrès. Donc, ils veulent voir les progrès dans les chefs des Congolais. Et les messieurs dont vous avez cité les noms moi, je comprends que c'est un frustré euh, qui est en train de chercher comment à, à trop parler. Pour que le président de la République puisse l'écouter. Mais je les conseille d'être calme, de voir comment le président de la République est en train de gérer euh, les pays aujourd'hui. il est applaudi par euh, des milliers de Congolais. Voilà, on va parler maintenant de la taille du gouvernement. Euh, on parle des 66 ministères au lieu des 65 comme convenu. Euh, Maître Bazin, euh, dans ces gouvernements, vous trouverez des ministères sectionnés. Je prends un exemple, vous avez d'un côté le ministère des Affaires humanitaires et de l'autre le ministère de la solidarité ou le ministère des Affaires sociales. Vous avez le ministère des Affaires étrangères et vous avez le ministère de la coopération internationale ou régionale. Vous avez le ministère de la décentralisation. Alors qu'on a déjà parlé de la décentralisation depuis plusieurs années. Est-ce qu'il ne faut pas craindre euh, les conflits, je ne sais pas moi, d'intérêts ou les soit les conflits des, des pouvoirs au, au sein des, des, de ces premiers gouvernements de Fatih Oui, et c'est qui est vrai que moi la taille, euh, bien sûr, il euh, y, y, y a trop, 66, c'est trop. Mais il faudra euh, comprendre que. Ce qui est important, que ces gens-là soient conscients. Ça, ça donne l'impression comme si ces gouvernements étaient mis en place pour satisfaire ou ré, ré, récompenser les uns et les autres Bon, c'est comme vous l'avez dit, c'est vos impressions. Moi, je ne vois pas là qu'ils ils sont là parce que c'est pour satisfaire leurs appétits ou bien certains euh, ont été satisfaits parce qu'ils sont des autorités, comme on les appelle, des autorités morales, autorités morales, je ne sais pas. C'est un nom qui n'est même pas constitutionnel. Moi, je, je, je peux revenir dans ce que j'ai tenté de dire. La taille ne me dit absolument rien. Mais nous devons interpeller à ces gens-là de travailler pour l'intérêt de la population. Mais l'élément que vous avez soulevé, c'est un élément très capital. Je pense que le Premier ministre va prendre son temps pour définir les champs et les limites de chaque ministère. Pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, comme nous l'avons vu récemment là avec le ministère des, des professionnels, si je ne m'abuse pas avec l'EPSP, où il y avait des petits problèmes parce que leur champ n'était pas bien, bien, bien défini. Donc je, nous demanderons aussi au Premier ministre de veiller là-dessus pour qu'il n'y ait pas de couac entre le ministère des Affaires humanitaires, dirigés aujourd'hui par ces messieurs que nous nous avons détestés pour qu'ils reviennent, mais il est revenu. Mais nous, nous serons très vigilants euh, avec lui. Je suis en train de parler de M. Bikay. Donc, euh, ce, ce premier ministre doit être un peu euh, vigilant là-dessus pour qu'il n'y ait pas euh, chevauchement dans le partage des, des compétences. 23% des anciennes figures sont reconduites euh, au gouvernement Ilunga Kamba, maître Bazin. Euh, sur base de quoi le président a jugé bon de reconduire tous ces gens Les Kambinga sur qui pèsent les dossiers FPI, les Thomas Louaka, ils sont nombreux. Euh, Qu'est-ce qui a motivé fait, les présidents à réintégrer toutes ces anciennes figures, au 23% Je n'aurais pas foi, osé de vous dire que M. Mbikai, M. Germain Kaminga, M. Thomas Louaka et consorts, hein, ce sont les gens que nous, nous, Congolais, nous allons contrôler à la loupe. Les actions, les faits et gestes que ces gens ici vont poser seront contrôlés par les Congolais. Et, ils ne sont et... pas un modèle. Ils ne sont pas modèles aujourd'hui pour nous, Congolais. Mais s'ils si sont revenus dans les gouvernements, il faut comprendre que Kabila n'avait pas l'intérêt de servir les Congolais. Il avait intérêt de servir ses poches. C'est pourquoi il continue encore à nous amener ces caciques, les gens qui ont détruit la République. Mais qu'est-ce que nous allons faire Parce qu'ils sont déjà dans l'ordonnance, ils ont été déjà nommés. Mais nous, Congolais, nous avons intérêt. La Constitution nous donne ces pouvoirs là de, 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 de veiller sur tous ces caciques de Kabila-là. Donc. Maintenant, là, euh, ce qui nous satisfait encore, c'est la tête. Parce que Fati est à la tête, il a une vision, il a une logique, il a une conviction dans la politique. Je pense que tous ces gens-là euh, s'adhéreront à, à la logique de, de, du, du président de la République et du Premier ministre, c'est long Ilunga Est-ce que vous voyez les Germain Kambinga, les Thomas, Louaka, Lembika et tous ces gens changer facilement parce qu'ils sont sous le contrôle de Fachi ils vont continuer avec les anciennes habitudes. Ils ont une conscience. Ce sont des parents. Ce sont les acteurs politiques. S'ils ne changent pas, c'est comme je vous ai dit. Mais c'est Kaminga n'est pas euh, au-dessus de la loi. Mais c'est Steve Mika n'est pas au-dessus de la loi. Mais c'est Jean-Lucien Boussa n'est pas au-dessus de la loi. Mais c'est Thomas Louak aussi compris. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Il y a une loi qui est au-dessus de tous ces gens-là. Si le président de la République s'incline devant la loi, il dit. Niet au détournement, niet à la corruption, nietz, à l'enrichissement sans cause, à combien plus forte raison des quatre personnes que vous citez là. Donc, je leur dis attention, vous êtes revenus, mais respectez la loi. Ce n'est plus encore Kabila, maintenant c'est Fachi. Maître Bazin, dans les sept mois qui ont précédé la sortie du gouvernement, les présidents a recalé plusieurs listes sous prétexte qu'il s'est posé un problème de la représentativité, de la parité, et j'en passe. Mais après la sortie du gouvernement, vous avez entendu les députés du Nord ou Bangui annoncer qu'ils vont boycotter la séance d'investiture du gouvernement. Maître Bazin Pembe, euh, quelle place vous accordez à la géopolitique dans le fonctionnement normal d'une euh, société D'abord, la Constitution reconnaît 30% aux femmes. Fatih est allé jusqu'à 17%. C'est presque la moitié. Nous n'avons jamais vu ces records. Ce record. n'est pas 30%. Oui, ce n'est pas 30%, mais il faut aller progressivement. Ça ne peut pas venir d'un coup comme ça. Si il faut aller progressivement. Maintenant, là, c'est 17%. Euh, si c'est les 16% qui restent là, il faudra, il faudra attendre. Euh, en ce qui concerne euh, cette histoire de géopolitique, cher ami, je vous dirais, nous avons qu'une seule république. Nous sommes des Congolais. Donnons la chance à ceux qui sont en train de travailler. Si nous voulons que... Toutes les provinces soient représentées dans le gouvernement. Moi, je ne vois pas là un problème. Pourquoi les gens doivent s'acharner là-dessus? Laissons, donnons la chance à ceux qui sont en train de travailler, et il y aura des remaniements. Mais le président, alors, les certains... le présidents avaient récalé la sortie du gouvernement parce que toutes les provinces n'étaient pas représentées. Alors, comment vous estimez aujourd'hui qu'après la sortie du gouvernement, il y a des provinces qui se disent qu'ils ont été victimes euh, de la discrimination? Je, je vais vous donner peut-être une information. Il y a un ministre de Sirou, euh, Sidou Bangui qui est dans le gouvernement, qui occupe les affaires humanitaires. Il y a un vice-ministre dont le nom m'échappe. Il est de là, mais les gens ont voulu, je ne sais pas comment, les gens doivent lire, comprendre, euh, voir les CV de certains. Donc moi, je ne vais pas en faire un débat. Euh, J'aimerais que nous puissions donner la chance à ceux qui sont en train de travailler. Que les seigneurs les accompagnent, qu'ils aient conscience, qu'ils soient en train de travailler pour l'intérêt de la population et que cette population vieille uniquement les changements et avec cette devise testamentale, le peuple d'abord. Aucun membre de la Mouka dans le gouvernement Ilunkamba, même, même ceux-là qui ont bâti campagne pour Fatih, je, je cite euh, Delice Sanga, Claudel l'ubaya ils sont nombreux, tous ces gens n'ont pas été... Euh, une, non, tous ces gens ne figurent pas dans les gouvernements Iloukamba. Ils ben Est-ce qu'il une ingratitude politique de la part des Fatih L'ingratitude, c'est. Parce que pendant la campagne, ces gens appartenaient à la Mouka. Ils avaient leur candidat Martin Fayoul, mais ils ont jugé bon de les sacrifier au profit des Fatih. Oui, euh, Denis Sesanga, c'est un acteur politique majeur, Il compose aussi Claudel Lubaya. Euh, J'ai suivi Claudel euh, féliciter ses gouvernements. Il est content du gouvernement, mais il demande à ses gouvernements. De travailler pour l'intérêt de la population. C'est Sangha, je, je n'ai pas entendu sa réaction. Mais, euh, cher ami, nous avons les République. Même si nous avons euh, contribué à la récite à l'élection du président Fachi, nous, nous attendons pas seulement qu'on soit récompensé par un poste. Parce que vous avez parlé des gens de la Mouka. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que qu'il y a certains membres de la Mouka qui sont dans le gouvernement Fachi. Dans le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, il y a les gens de la Mouka, il y a, un, mini, il y a, il y a un, un acteur aussi majeur de la Mouka qui ont aujourd'hui DG à, à la Gekamine, il y a Kungwa Wakumanza qui ont aujourd'hui euh, à la SNCC à Lumbashi. Donc euh, moi, je ne vois pas comment on peut euh, réduire un pays à la Mouka. Et aujourd'hui, je, je vois euh, le président Martin. Approcher. Euh, on va en parler. Euh, oui, approcher certains, on va, on va en parler. Mais, cher ami, moi, je suis, euh, euh, je suis très optimiste. Donnons la chance à ce gouvernement. Et dans tout ça, où, où, où est-ce que vous avez mis Bhatti mais Maître Bazin, Félix, tu sais que dit, alors, opposant à l'époque, euh, avait combattu les dédoublements, avait combattu les débauchages, mais maintenant, là, avec la sortie du gouvernement, les commets mortels pensent que le président de la République a cautionné les dédoublements, il a cautionné les débauchages en, en, en acceptant euh, que la FDC-LFCC soit euh, nommée dans les gouvernements. J'ai je je fait allusion à Nenen la dame qui dirige la FDC-LFCC aujourd'hui, et à, à Steve Bikai. Est-ce que vous partagez l'avis selon lequel le président a cautionné les, 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 les débauchages le ministère de l'Intérieur, qui a l'apanage, euh, les regards sur les partis politiques, a euh, émis une correspondance reconnaissant uniquement que euh, l'AFDC a des professeurs modestes. Donc, si les professeurs ne se sont pas retrouvés dans les gouvernements, lui-même a dit, il a félicité ces gouvernements, il les a demandé de travailler pour l'intérêt de la population, il a dit... Ce n'était pas la fin du monde. Mais il y a un problème. Je venais de, de le souligner ici. Mais c'est il, il veut nous amener dans la logique de Kabila, dans les régimes des Kabila, de à certains partis politiques. Mais cette, mais cette, cette logique de Mbika a été cautionnée par les présidents de la République Impossible. Félix, est est, il est légaliste. Mbikaya et Nkoulounene, ils ont été nommés sur les quotas AFDS et alliés. C'est Kabila. Et ces acolytes qui ont voulu prouver Modeste Batilukwebo. La dernière signature revenait à Fachi. La dernière signature revenait à Fachi, mais nous sommes en coalition. Ils ont proposé, ils ont trouvé que non, c'était important pour que ces gens-là reviennent. Ils ont convaincu les négociateurs, ils sont revenus, mais ils sont surveillés par le peuple congolais. C'est pourquoi il faut dire à Messembikai que c'est fini avec cette bêtise. S'il si a cru que non, c'était une bêtise qui payait... Avec le régime Kabila, maintenant avec le régime Fachi, ça ne payerait plus encore. Et il doit cesser. Avec Mme Koulou, elle aussi doit cesser. Elle doit être une femme modèle. Si elle veut s'aventurer dans ces chemins-là, c'est son problème. Elle payera tôt tard. Elle mais On a appris plus d'une fois que le président avait refusé euh, plusieurs moutures lui proposées par les premiers, les premiers ministres parce que certaines figures ne lui arrangeaient pas. Mais comment le président a accepté de cautionner les débauchages en nommant Nenenkoulou et Steve Mbikai Cher ami, euh, le président n'a pas accepté les débauchages. Mais ils font partie du gouvernement. Tu sais qu'il ne peut pas accepter les débauchages. Il faut retourner. La chose entre les mains des gens de FCC ici. Les gens qui veulent toujours appauvrir la République. Les gens qui veulent toujours détruire cette République que nous avons chère. C'est pourquoi nous avons intérêt à remettre les gens là sur les rails. Pour qu'ils comprennent que c'est fini cette époque là de l'impunité, de dédoublement des partis politiques. Pourquoi je suis entre madame bicaille et Madame Nené, elles doivent cesser avec toutes ces bêtises ici, de doublement laissé à professeur Bahati Lukwebo. Son parti politique, parce que c'est lui qui est l'initiateur et c'est lui-même qui a payé pour eux des, des cautions pendant, pendant, pendant la campagne. Mais, mais Maître Bazin Pembe, euh, vous dites que cette logique de débauchage doit prendre fin. Mais qui a signé l'ordonnance Noma, et Steve Mbikaye et, et Nene dans les gouvernements N'est-ce pas, pas Fatih Donc, en d'autres termes, vous voulez dire que le président a cautionné, je reviens sur ma question, il a cautionné les, 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 les dédoublements de l'AFDC et alliés Non, ne, ne me faites pas valer ce que je n'ai pas dit. Le président n'a pas cautionné les dédoublements des partis politiques. Mais c'est lui qui a signé l'ordonnance nommant les, les, les MBK et NENENKUL qui sont, selon moi, des, 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 des fraudeurs. C'est FCC qui a présenté tous ces gens-là. Il les a présentés il les a proposés. Les présidents, je pense que les négociateurs ont parlé aussi de cette histoire, mais ils ont compris que les gens insistaient mordiquis là-dessus pour que les noms reviennent. Ils sont revenus. Mais qu'est-ce que nous allons faire Laissons le temps au temps. Laissons Donnons la chance à ces gens-là parce qu'ils vont servir la République. Je ne vois pas comment nous allons faire un débat. Là-dessus, parce qu'aujourd'hui, ils sont là, mais nous avons intérêt à les surveiller, comme je l'ai dit dans mon préambule. Si Fatih aujourd'hui accepte que l'AFDC soit soit soient demain, il va aussi accepter que l'impunité revienne. Fatih n'a pas accepté que l'AFDC débat et soit dédoublé. C'était dans la logique des, des gens du FCC. Mais qui a nommé Nénén Koulestim? Non, le fait de nommer ne dit pas que non, on a, on a cautionné. Moi, je vous dis, ils ont proposé, les négociateurs ont travaillé. Les, les, oui, les, 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 les négociateurs ont proposé, mais Fatih avait aussi tous les pouvoirs de refuser de nommer Mbikay. Cher ami, monsieur le journaliste, je vous dis, Félix, c'est un légaliste. C'est un légaliste, mais il vient de cautionner les, les, les débauchages. Il faut au contraire... Voir les gens des FCC leur poser cette question-là. Pourquoi vous avez voulu dédoubler Bahati alors que vous avez vos partis politiques Il faut les rechercher, poser leur la question et ils vont vous répondre. Mais moi, je vous dis Félix, c'est un légaliste, il restera légaliste. Félix respectera la loi dans ces pays et les gens seront étonnés. Félix épatera les Congolais et les Congolais euh, l'applaudiront un jour, dire Oui, on avait un qui a sorti ce peuple de la gouffre. Voilà, Maître Bazin Pembe, on va prendre la, euh, les tout derniers points de, de cette émission. On va parler de Martin Fayoul qui il, il ne cesse de réclamer la vérité des urnes. Cette fois, il s'est associé à Adolphe Mouzito et à, à Valentin Moubake. Ensemble, ils ont créé euh, la dynamique pour la vérité des urnes. Je propose et je souhaite qu'on puisse aborder ce thème à l'ingala. Maître Bazin Pembe, combat Martin Fayoul. Déjà, il y a une sortie au gouvernement à l'objet qui est Kabila Nazakaranakati, Kabila Keite. Est-ce que vous, vous partagez avis à Martin Fayoulou Je ne sais pas si Fayoulou est un disciple de Tisekedi. Mais je comprendre que Fayoulou a tangattivé ma école de Tisekedi Malamoute. Fayoulou, il y a eu une élection, il y a eu Jean-Pierre Bemba, il Moïse Katumbi. na ndeko adolfe mozito basali oyo tobengi lamuká recemma awa bauti na lumbashi basigne comminike na bango balobi no toza ansemble bomoko eza katikati na biso me nakomprendre ete politike oyo fayulo aosala mbala moko virma paf abengi ndeko valante mobaki oyo ndeko na koyebisa yo ye azaaza na parti politike naye moko sokilespepledpese les peple oyebi placebire na ye place, ezalaka asalaka baréunio na ye ba conférence de presse likoló a mesa ya masanga moko tobengi soki primisi na ye epa na ye na ndako mei moto abongo faulo azwá assosie ye donk azalaki kosabote janpiere bemba azalaki kosabote moïse katumchapwe azalaki kosabote ndeko ve bazabapwa na influence ya valantin mobake na kati ya udps ntango fe atisecredi ye moko azalaki anvi oboyi yango kaka mpo asangani na, na martin faol ndekomob azali neti omoni moto soki amoni eti no akomi na nsuka obien soki moto akwei na mai soki amoni kaka mwa nzete akoki kosimba amonika mwa nzete wana ekosoveye don valante mobake ndenge azali wana nayebi te komande nakoki kokalifie donk basali na bango eloko te mbusanyamwise alongwe matungulu alobi alongwe apoblolyt mbu azaakter politie alobaki ayeikosoutenirfa mponatravaye te aykosoutenir fampona ebola oyo ezalaki naesta bandeo naye babandkokfatozongelaa likambo ya valante mobi ndeoob Va sengeli ooondane ko, 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 baakter politieyblelo azali koregrete mbele pour oyo lelo yendeazalkikosepela yango a aliteki na udps mai talá lokoso kabila abengi yaka na nini na palais de la natio abimi liboso ya bamikro azosika mpasi kabila azali konome ye premier ministre mei ntango azongi kabila abeti ye kisa mbeto talá lelo ndenge akomioyo ebeta ye nde ntango azongi epa kabilaabilaapesa y mwa alomea moo yango nde esalayi ipelki ntano azongi ekti ye mai ataa lelo ndenge akomi azongi lisu na fayulu nayebi te fayulu eloko nini azakikosala mobake nevo rien azaki kosatashe leloon fayulu abomi lamuka verité alongwe na vérité des uns akomi na dynamiue de vérité des vérités des un akosala angona nini na moïse oyo azoloba no lamuka toza nappaza

nazalaki na zambi babengi nga mponakendekoanime seminaire parske bandeko oyo balandaka ngai bamonaki ete no jai fait un travail e, 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 mpo na koede mboki ekende liboso jesuis ala animé séminare ya lite contre la corruption epuis toza na baaktion makambo ya fpi oyo fpi bazwalaki bambongwa bato bambongw ya l'etat nazalaki surterrein na ndeko nanga mosusu meda kankolongo toketanaye surtein tosala marshe après 48h

fo tosala différence entre biso bajeune ná bamikolo oyo oh, lelo bapouvrire républikue biso bajeune esengeli servir na, oh, to servire natio na oyo moke biso tozali kozwa tozela kaka ete bábenga biso te no servon dabord la république sur terrein epui récompense politique ekozala parceqe ntango toosala politikue ezali mpona tozala lobi obilobi mosusu na motu ya direction moko boye mais servon dabor la républiqe nakozongana likambo yalamuka fayulu euh, esengeli azwa con conscince na makambo azali kosala aboyilelokokta nininaoppos no uepaslopositio nauti olanda déclaratio na ye na bamedia mosusu na, na, ba na bino a line alobi uepasdas loppositio ye azo seconsidére comme président eli euh, nayebi te soki mbokuo azodirige soki ezaka fadenous na ye na, na kati ya ndako na ye na kati ya otele wana na bato baya kolala wana nde bango azokonsidére bangoomebapeuple aloke lelo le président fachi ye nde azotambola mpona ete kongo ekende liboso ngai nayo ata ndenge oza mopanzi-sango olinge ete mpe mboka oyo echange sesa suwe na biso nyonso to tothaye maboko tothaye na maboko e e so, ya nza mbe nzambe asungaye apesa ebwanya lisusu ya ebele mpona ete kongo ekende liboso parceke félix aza na volonte ya kochanger mboka kongole aseretrouveoangeooaa abagermeaiaabaoaluaabaaliusu no euh, bango nyonso to bakosadere na logikue ya, ya, ya premier ministre oyo alingi ete nkongo mpe change mai sous leadership ya félix ndeko ngai naa koloba nazosala ja lelo te mei nazomona na félix antoine chilombo chisekedi volonté esengeli kopuse volonté wana ekende tii ata na 10 pos mpona ete kongole barichese oyo toza nango na mboka eprofite mpe biso ba investissɛr wana báya bátonga bausine na bango awa mpo na, na kongole azwa mosala kongole alia bien kongole atambola kongole asesntir alase na mboka na ye oyo lelo aza nango kamoo kakongo oliei kozwa mbongo ozolobi nna mikili ya bapaya ndenge tozomonabamosusu bazkufa baimmigre ba, d tolingi ete kongole azala na mboka na ye asesntir alaise alobi na fani na mboka na, 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 na ngai nalamuki na ntongo nake mosala nazongi nazwi moke na investir mpona ete mboka na biso ekende liboso loti tokende oprofite epas mikili ya bapaya tala lelo ndenge aza kotambola ka mpo na kobengisa bainvestisseur parceque kabila asilaki deja diplomasie na ye ezalaki ya kobeba il y avait une rupture entre les partenaires. partenaire mais Tala Félix Lo félix a reconstitué et Biloko Anazo Bank ça va partenaire boya et il y a le leadership il y a corruption détournement. il y a détournement tes leadership il y a gagnant gagnant parce que si des personnes de Bosanga il na bateau là na il y a corruption il y a il mafia non il y, a, il y a un problème congolais a voté félix c'est une majorité simple mais à voter, par député Bele à Kabila. Et c'est le cas qu'il fallait tout ça la coalition en Ezala, pour la qu'au temps du Samboké Kendiboso. Il y a un monde qui a été bien Congolais. Mais pour la mieux, Ezali, koyana en 2023, ce qui est na chance, il y a voter mon Konzamboka. Voter mon Konzamboka, Pessa y a majorité, pour la aille à concrétiser qui na en ou Ezali volonté. Au voter mon Konzamboka, au voter, par député, il y difficultés, il place a des places où il y a des if kokɔta ndenge lelo ministère ya, 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 ya citoyenneté emi okta koexplike na populatio eloko wana mponaeteno tokwea lisusu na mbeba wana te na oyo lelo talá ndeko kabila azali kobima ma azolinga kaka ete no bato na ye bázonga donk ntango bakoya sengeli oyo akovote soki felix nda kozonga lisusu soki moto mosusu nda kozonga lisusu topesi ye mabɔkɔ topesiye badéputé ebele topesi ye mpe lisusu change na, na, na présidence mpo na ayeba koma koconkrétize oyo ezali plan d'action na ye o ezali vision na ye pour été Congo échangeur maître voisin bah, pembe toumi dans la souka émission dernier message na yo na ba congolais nyonso balandiou bah, à travers le monde oui congolais ou biso euh, na mikili ya et puis na Congo et puis na ba intérieur o biso ko ki ko senga bino bisonyonso to ba congolais to ala c'est dans l'unité na bolingo ndeto ko change Congo

Merci beaucoup et je suis disposé s'il y a une invitation tout a pour partager actualités en boucle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission actueuse qui a reçu pour vous Maître Bazin Pembe, coordonnateur de la structure, les, la dynamique, les changements, c'est maintenant euh, structure proche du CASH. Et avec lui, nous avons parlé de l'audition de l'ancien ministre de la Santé, Oli Lunga, à la police judiciaire. Nous avons fait les points sur euh, cette affaire du vice-gouverneur de la province du Congo central. Nous avons évoqué la sortie du gouvernement, les attentes et défis qui attendent euh, ces gouvernements. Enfin, nous avons chuté euh, sur euh, Martin Fayoulou et avec euh, sa nouvelle structure dynamique pour la vérité des yeux. Si vous avez aimé cette émission, dites grand merci à Nehemi Nems qui était derrière cette caméra, mais aussi à toute l'équipe de Congo Best TV, Homo, Homo Fortis et Jérémy Maïkandi.